Les effets et le réel, pourquoi pas les effets du réel? Because the effects are effects of language and of speech. Of speech, we say one makes sense. But of effects, we have many. Effects of meaning, effects of jouissance, effects of the non-relation of the sexual. Of effects, there are as much as there are precipitations of the real in speech. But all come from one, from a lack, a trou, as only lack will create effects. I now introduce our speakers. We have French and English speakers. We will be trying to translate the questions. If anyone has questions in the crowd, I'm going to start with Stylianos. And I give you... Bon. Alors, notre parole, devant l'absurdité contemporaine, démontre l'essence intime de l'humain et loin de se réduire à un commandement qu'elle reçoit et auquel on répond, elle circule quelque chose qu'on partage dans la communauté humaine pour assurer notre humanisation et notre survie, à savoir notre manière d'être dans le monde. Ce qui paraît du sort commun dans le monde que nous sommes en train d'approcher. Nous sommes en train de construire et le fait que nous restons souvent loin de chez nous, exilés dans une monstrueuse insignifiance que l'itinéraire de la science nous creuse dans son égarement. C'est le titre d'un livre d'Oliver Leray, sans colmater l'abéance dans laquelle le symbolique nous a déjà initié. Bien qu'il soit vain d'attendre des discours scientifiques à l'époque du capitalisme, que son propre mouvement délivre son sens, l'individu contemporain, piégé dans ses tourbillons, il se confronte à un réel souvent insaisissable et même indéfinissable dans son signifié. En opposition presque au moi, la science, je ne parle pas, qui se met entre un meaning et meaningless, entre les sans signification et le non-sens, le sujet parlant en analyse, en essayant de se retrouver dans ses propres associations, il explore à sa manière son manque à être dans la parole. C'est ainsi qu'en tant que parlette apparaît et disparaît dans son énonciation entre sens, sujet et signifiant, comme Lacan le souligne dans son séminaire « Les problèmes cruciaux pour la psychanalyse » pour faire valoir les sujets de la psychanalyse. À travers l'articulation signifiante, le parlettre court derrière ce glissement du sens, toujours en quête d'un signifié qui pourrait boucher la signification recherchée. J'essaierai de vous faire part de cette incompatibilité de la parole et de la signification en évoquant le parcours d'un jeune homme dans sa tentative d'explorer les aléas de sa position subjective. Minas s'est trouvé pendant cette période de crise qui ronge la Grèce en impasse économique avec une mère au chômage et un père dépendant entièrement de son employeur à la télé. Son souci, comme il dit, de sauver la famille des dettes, le conduit d'abord à vouloir réaliser précipitamment son projet de métier d'armée. Sa qualité de plongeur l'encourage de s'engager dans les marines où il gagne dès le début l'estime de ses supérieurs. Cette qualité, néanmoins, attire la maltraitance de la part de ses collègues. Le bizutage et la pression permanente ne tardent pas d'avoir des conséquences sur son état de santé. Crise des nerfs, sentiment de persécution et déclenchement des réactions violentes de sa part face à la pression exercée. Lorsqu'il découvre que le médecin local traite sa diarrhée en lui filant des médicaments antidépresseurs, sa méfiance envers l'autre devient extravagante et le déclenchement prend la relève. Suit l'intervention sur place des psychiatres de l'armée, la camisole et son enfermement forcé à l'hôpital psychiatrique d'Athènes. Les actes s'imposent sous le commandement et sans trop d'explications. Lorsqu'il essaye d'ailleurs de parler avec le psychiatre de temps pour se donner une explication sur ce qui lui arrive, lui, il le conseille de ne plus parler de ces événements car c'est du passé et qu'il faut absolument l'oublier.
Conclusion, il s'enferme de plus en plus sur soi et il reste enfermé chez lui après avoir renoncé à sa carrière de militaire professionnel. Il rompt les liens avec son ami et il se retire parce qu'il a peur que s'il sort de chez lui, il risque de s'exposer au ridicule à cause du problème de la diarrhée. Qui renvoie à l'insupportable de son expérience pendant son service. Pour sortir de cette situation, il se donne encore une fois la tâche d'aider sa famille, mais sans sortir de chez lui. À la recherche perpétuelle d'un ailleurs pour ne pas vivre avec ce qui se présente comme pauvreté, il renonce à travailler quatre fois pour rien et il se donne la voie de gagner de l'argent comme les grands joueurs du poker qu'on voit à la télé. Il admire leur savoir-faire qui se base sur la probabilité et le calcul des combinaisons. Cette nouvelle option optique alerte ses parents qui lui proposent de venir me voir. Le fait que je ne suis pas un médecin comme ce qu'il a rencontré, sans le poids du pouvoir sur cette décision, lui permet de se confier à sa propre parole pour chercher au moins une explication à ce qui lui est arrivé. Dans un deuxième temps, il essaye de me faire complice de son projet de joueur professionnel de poker afin de le soutenir pour rendre sa vie plus facile. Dans ses représentations, il est presque persuadé qu'il est capable de contrôler ses passions et de perfectionner sa manière de jouer en soumettant la science à ses calculs raisonnables. Pourvu qu'il gagne, son système de pensée reste intact et rien n'aliène sa véracité de ses calculs logiques. Le signifiant argent stabilise ses humeurs et renforce sa confiance et à sa toute-puissance imaginative jusqu'au jour où il perd la somme acquise avec autant d'efforts. Il se précipite angoissé à sa séance pour me dire comment, en croyant récupérer l'argent perdu, il a cru bon d'emprunter le premier salaire que sa mère venait de déposer dans un endroit à la maison. Désespoir et un ressentiment de travailler pour rien. En énonçant les faits, le verbe « emprunter » se remplace par le verbe « voler » qui le s'y prend. « Je ne suis qu'un voleur », il conclut en donnant un sens à son acte. En tant que sujet représenté par un signifiant pour un autre signifiant, selon la définition donnée en décembre 1962 par Lacan, l'être d'éminence ne se qualifie que dans ces « donc je ne suis qu'un voleur ». La parole décisée n'est proprement que le moment où il s'évanouit sous le sens, ou le sens qui le fait disparaître comme être, car c'est donc « je suis » n'est qu'un sens. La parole des menaces marque cette limite entre l'effet du signifiant et ce qui lui revient par réflexion d'effet signifié. En évoquant sa qualité de professionnel exceptionnelle, en évoquant une qualité exceptionnelle, déductible à l'effet du signifié, d'après une articulation signifiante, sa parole relève la barrière du non-sens sous-jacent de ses actes et porte à une signification qui se résume à une certaine vérité, une vérité mise en forme selon la citation « Moi, la vérité, je parle ». C'est une vérité qui émerge entre les lignes de sa propre parole et qui fait limite à ses spéculations. Cette parole véridique vient perturber ses croyances et se produit d'une perte langagière. Pourtant, cette vérité ne s'extrait pas d'une collection de signifiés, mais d'un signifiant qu'on pourrait nommer pas si bête, dans la mesure où les rapports du signifiant au sujet, tant qu'il l'intéresse, sans fonction de la signification, passent par un référent. Le référent, ça veut dire le réel. Et le réel n'est pas simplement une masse brute et opaque. Le réel est apparemment structuré, souligne Lacan, dans les problèmes cruciaux pour la psychanalyse. Dans ce cas, avec l'association libre, quelque chose de réel s'atteint par l'intermédiaire du signifiant au référent. Nous voyons surgir un effet de sens, aussi provisoire que le signifié voleur, qui contredit et divise les idées dans son dire. Quelle dynamique subjective pourrait-on attendre de ces fragments de signifiance qui s'est produit chez notre gène?
admettons qu'il n'y a pas d'insistance valable de la signification qui ne fasse circuit des tours par quelques référents, comme dit Lacan, insiste à le dire plutôt dans le séminaire, du fait que nous ne savons pas en quoi est structuré le réel tant que nous n'en avons pas le signifiant. Qu'est-ce à dire de cette insistance de Lacan à décrire cette mouvance du signifiant en centrant son commentaire sur les rapports signifiant-signifié et les référents? Si la litote de nos interventions d'un côté a permis le déploiement de la parole en donnant la priorité à l'énonciation décisée, l'effet de sens et la signification surgit de la fluidité d'une parole qui apporte une limite à son monde. C'est ce qui me manquait, dit-il, en tant que plongeur, quand en s'efforçant de plonger encore plus, je ne savais pas où m'arrêter. J'ai réussi à piser où se situent mes limites. Si la peur de sortir disparaît peu à peu et un savoir-faire avec son corps règle différemment son rapport avec l'espace, ainsi qu'avec sa copine, il reste à savoir comment, selon lui, on peut assumer une position plus responsable pour se protéger de nos propres dévergondances. En se fiant à sa propre parole, il continue à explorer ses propres limites pour éviter que ça ne se reproduise ce qu'il a vécu. En termes plus clairs, qu'en est-il des sorts de la parole? S'il n'y avait quelqu'un pour l'attendre, même si, avec de l'offre, l'analyste fait de la demande. Mais la demande qu'il satisfait, c'est la reconnaissance de ceci de fondamental. C'est que cette demande, ce n'est pas ça.